drill and then you'll die. Et bonjour tout le monde, c'est WayZarten. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de glitch. Un glitch de duplication les amis. Massive plaque propre en quelques minutes. Donc ce sera avec l'atelier de l'arène d'accord, qui fonctionne toujours. Je l'ai jamais fait, je l'ai regardé en vidéo d'accord. Donc on va le faire avec vous. Il faudra être en session sur invitation. Peu importe le mode de visée, on s'en moque avec un ami obligatoirement. Session sur invitation obligatoirement, pas session sur ami, d'accord. Donc, pour commencer on va devoir avoir un véhicule à dupliquer, celui qu'on souhaite dupliquer dans l'atelier de l'arène. Donc niveau de l'atelier, j'ai ma ici anticipation. C'est une ici anticipation qui se revendra 1 800 000 avec autant de légués RH8 que vous souhaitez en duplication. Allez, donc pour commencer la manip, on va devoir lancer un passe-temps. Donc je lance un passe-temps, patiente 15 à 20 secondes les amis. Une fois qu'on a le message, on dit à notre ami et comme ça il le sait. Allez, au bout de 15 secondes, je vais l'inviter dans mon atelier d'arène, d'accord. Donc lui, il va ouvrir l'activité atelier d'arène, donc en grand, d'accord. Tu me dis quand c'est bon. Là, il va faire double PS. Au moment où il clique sur rejoindre, il spam croix jusqu'au bout. Il n'arrête pas. Donc c'est parti. Allez, il spam jusqu'au bout, il spam jusqu'au bout. Voilà. Donc si tout a bien fonctionné, il va respawn dehors avec la carte invisible. Sinon, il faudra recommencer, ce n'est pas grave. Donc il a réussi, d'accord. Donc moi, je peux enlever mon passe-temps. C'est parfait. Une fois qu'il a réussi, on va prendre le véhicule. Peu importe le véhicule, d'accord. On va le sortir. Allez, c'est parti, je sors un véhicule. Donc lui, il est bugué, il est en OTR. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas la map. Lui, moi, je ne le vois pas sur la carte, d'accord. Donc il est à gauche, moi je descends de mon véhicule et lui il va monter dedans. Allez, tu montes dans mon véhicule. Allez, une fois qu'il a monté dedans, il reste dedans. Donc regardez, mon véhicule il clignote, c'est parfait. Je rentre au niveau de l'atelier, d'accord. Et là attention les amis, le timing va être un peu serré, mais franchement ça peut le faire. Je l'ai jamais testé, donc voyons voir si on y arrive. Il va falloir faire flèche de droite, une demi seconde après option. Donc là je vais monter dans ma ici anticipation, d'accord. Allez, je monte dedans, je me gratte les cheveux aussi. Allez, au moment où je fais flèche de droite, je fais option. Donc là j'ai fait flèche de droite, je fais option, d'accord. On attend quelques secondes, on refuse et là on va pouvoir rouler ensemble. Donc on peut rouler, on peut constater ensemble qu'on peut rouler dans le garage. Allez, une fois qu'on peut rouler dans l'atelier auto, on va devoir garer notre véhicule comme ceci. Donc essayez de le garer comme moi, hein, c'est galère. Donc, je vais aller plutôt là-bas, puisque là-bas, ça a l'air d'être une sortie, d'accord. Donc lui, notre ami, il n'y a plus rien besoin de faire pour l'instant. Donc là, on bloque la porte, d'accord. Là, nos joueurs sortent, d'accord, à pied. Et là, on va prendre un autre véhicule. Donc pour ma part, c'est une Elegy, d'accord. Merde, je t'ai donné quel véhicule? Ah bah non, c'est bon. Ah bah non, c'est bon, ok. Donc là, on prend... Allez, on bloque la porte de passager, d'accord. On regarde si on peut se téléporter dedans. Donc on fait triangle, on se téléporte bien dans le véhicule. Donc là, les amis, au moment où on va faire sortir, on va faire croix, triangle en même temps. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait croix et triangle en même temps, c'est parfait. On attend. Donc là, les poteaux, lui, il reste dans mon véhicule, donc regardez bien à ma plaque, elle se finit par 980. Souvenez-vous, je vous ai dit de commander autant d'Eligi que vous le souhaitez dans n'importe quel garage, on s'en moque. Donc là, pour ma part, je commande une Eligi. Au moment où je commande ma Eligi, on va compter 10 à 15 secondes, d'accord. Et quand je lui dis de descendre, il descendra du véhicule. Allez, c'est parti, je commande la Eligi. Allez, on compte 15 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui, il va pouvoir descendre maintenant. Le véhicule disparaît et regardez ma plaque, elle s'est bien changée. Donc,
Une, elle a pris la plaque de la Elegy RH8. Donc c'est bien une plaque pauvre. Souvenez-vous, ma plaque se finissait par 980. Donc là, on commande le centre d'opération mobile, d'accord. Et on va pouvoir enchaîner autant de duplications que vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc bien entendu, le centre d'OP, je vais le ramener plus proche hein, de là. Parce que bon, pour faire les duplications, ce serait plus simple qu'il soit plus proche. Donc là, on va rentrer dans le centre d'opération mobile, d'accord. Pas grave, s'il y a un véhicule à l'intérieur, on s'en moque, il sera tout simplement transféré. Allez, dépôt de véhicule plein, on a notre première ici, plaque propre. C'est parti. Donc là. Et là, on va re-rentrer, là, ici. Donc on peut enchaîner autant de duplications qu'on le veut, d'accord. Donc regardez. Donc là, c'est terminé, le glitch est terminé, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Profitez-en un maximum avant que ce soit patché. Profitez-en pour vous faire autant de duplications, autant d'argent que vous le souhaitez avec ce glitch-là. C'est vraiment un glitch de fou. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Profitez-en, les potos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.